se fait que la situation dans nos différentes provinces n'est pas reluisante à ce jour. Il y a des crises récurrentes au niveau des provinces, en tout cas dans la grande partie des provinces de notre pays. Nous, le Sénat, qui sommes l'émanation des provinces, l'émanation des assemblées provinciales et qui représentons les provinces, nous ne pouvons pas croiser les bras face à une telle situation qui plombe finalement le développement économique et social. Raison pour laquelle, en consultant les dispositions de la Constitution, nous nous sommes dit qu'il faille créer un cadre de dialogue et de concertation au sein duquel nous allons échanger sur toutes les questions et sur tous les problèmes qui se posent au niveau de nos provinces et en particulier au niveau des assemblées provinciales. Et donc, l'objet de cette rencontre, c'est justement d'insister sur le respect des textes, surtout ce qui traite des relations entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Nous avons pensé organiser, sous la houlette de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce premier congrès, si on peut l'appeler ainsi, de dialogue et de concertation. Et nous espérons que les échanges produiront les effets positifs pour nos populations que nous représentons.